Bonjour. Alors, comment ça se passe cette soirée? Bah franchement c'est génial. Je veux dire, je suis venu en me demandant si j'allais réellement apprendre quelque chose. Parce que j'ai beaucoup lu, je suis allé sur beaucoup de sites, j'ai regardé des vidéos pour plus savoir quoi en faire. Et ouais, je me demandais si j'allais avoir des choses à apprendre encore. Et en fait, déjà, j'ai rencontré des personnes absolument incroyables, des fous furieux, mais dans tous les sens. Et ensuite, j'ai beaucoup appris. Et même les domaines où j'ai pas énormément appris, j'ai plein de pistes pour me dire où est-ce que je peux bosser, sur quoi je peux bosser, où est-ce que je peux m'améliorer. Qu'est-ce qui a pu te marquer parmi les interventions qui ont eu lieu aujourd'hui ? Alors, pour moi, les interventions qui m'ont le plus marqué, alors par contre, je ne suis pas forcément bon pour retenir les noms des intervenants, mais on a eu la seconde intervention où on nous a expliqué peut-être 3 ou 4 modes d'investissement, dont certains qui ne requièrent même pas en fait d'acheter, mais qui permettent de continuer l'activité et sur un autre plan, même quand les banques arrêtent de te prêter. Il y a eu l'intervention de Gilles Grimm. Je veux dire, c'est pour beaucoup d'entre nous, c'est le grand Manitou, le plus grand propriétaire de France en nom propre. C'est le mec qui a tout vu, qui a tout fait, quoi. C'est juste incroyable pour nous de le rencontrer et pour nous qui nous lançons. Et on a eu également des techniciens qui sont intervenus avec des fiscalistes. Et avoir une notion vraiment très très terre à terre de comment les choses se passent, pas des gens qui te vendent un rêve ou qui te vendent une success story, mais plutôt juste, voilà, les chiffres vous disent ça. Si vos chiffres sont mauvais, ne vous lancez pas, retrouvez une autre solution. Ça, c'est très très important aussi.